Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir le pasteur Nina Maboidi. Bonjour Nina. Bonjour Yveline. Ça va bien Ça va très bien. Merci <laughs> d'être sur le plateau de C'est mon histoire pour nous partager ton histoire. Tu oui, es plaisir. pasteur avec ton mari, le prophète Sosten Maboidi, oui. à, à Bordeaux, oui. à l'église Centre évangélique Esprit et Vie. Oui, c'est ça. Depuis combien d'années maintenant Ça va être euh, la quinzième e année, là, on va dire. On a Quand été même. établi pasteur hein. associé en fin 2004. Mmh. Mmh. Ça fait longtemps, beaucoup ouais. d'années au, ouais. euh, au service de Dieu. Vous portez beaucoup de, de fruits là-bas mm -hmm. et euh, pour cause parce qu'avec l'histoire que tu vas nous raconter, on va comprendre ce que Dieu a, a déposé dans ta vie à ouais. toi euh, et dans celle de ton mari même parce que vous vous êtes connus finalement très tôt, on va ouais. le voir dans ton histoire. Tu vas nous raconter comment Dieu t'a guéri entre autres, parce ouais. que tu as eu beaucoup de guérisons, mais entre autres de la drépanocytose ouais. qui est une maladie quand même très compliquée dont mm -hmm. on ne guérit pas normalement, mm -hmm. mais à Dieu tout est possible. Amen. Et euh, toi, tu es né au Gabon. Mmh. Et ta maman, tu l'as toujours. Euh, bah, assez rapidement, tu as connu ta maman malade, mmh. qui était quand même très souffrante, qui devait s'absenter régulièrement. Mais tu as vu euh, la main de Dieu sur la vie de ta oui. mère. J'ai vu la main de Dieu sur la vie de ma mère. Effectivement, à l'âge de 10, 11 ans, j'ai commencé à prendre un peu plus conscience de ce qui se passait dans notre maison. C'est qu'à cette époque, mon papa se déplaçait énormément avec ma maman. Et il faisait plusieurs villes pour rechercher justement une solution au problème de santé de ma mère. Ma maman elle a vu plusieurs médecins et euh, on ne savait pas vraiment exactement de quoi elle souffrait. En tant que chrétien aujourd'hui, on dira que c'était une maladie spirituelle. Mmh. Mais les résultats des examens ne montraient rien, on va dire, de, sur le plan humain. Et donc mon papa. A... Avec les moyens qu'il avait, ben, il a recherché la guérison autrement. Mmh. Donc ils ont traversé plusieurs villes à la recherche de charlatans, de guérisseurs, pour pouvoir euh, trouver une solution. Et ça n'a pas marché, ça n'a pas du tout fonctionné. Et un jour, euh, l'une de nos voisines, qui euh, discutait souvent avec ma maman et qui était donc au courant de ce qu'elle vivait, lui a proposé de venir avec elle à l'église le dimanche matin. Ma maman a accepté, elles sont allées à l'église, euh, le pasteur a prié pour elles, elle est revenue à la maison, pareil, il n'y avait rien d'extraordinaire, elle était euh, contente, c'est sûr, mais pour nous, il n'y avait rien d'extraordinaire. Sauf que dans les jours euh, qui suivaient, on a constaté des changements. Mm -hmm. Et ça, c'était très... Euh... Surprenant parce que, euh, voilà. Chez nous, euh, on voyait maman fatiguée, épuisée, il fallait l'aider. Euh, ma maman m'a élevée de telle sorte que je m'occupe très tôt d'une famille, euh, que je m'occupe très tôt de ma maison. Euh, C'est plus tard que j'ai compris que ma mère était en train de m'éduquer comme quelqu'un qui allait disparaître mmh. dans les jours qui suivaient. quoi. Elle te préparait à son voilà. départ. En fait. Oui, elle me préparait à son départ. Mmh. Elle a fait deux filles, et comme j'aime souvent le dire, j'ai grandi au milieu d'une bande de garçons. C'est ça parce que tu avais de nombreux <rire> frères. <rire> de nombreux frères. Je jouais aux jeux de garçons. J'ai pas grandi vraiment avec une poupée. La poupée était à la chambre, mais je jouais aux billes, au football et tout. Parce que ben, j'étais entourée de mes frères. Mmh. Et là, euh, quand ma maman commence à expérimenter la guérison, et on commence surtout à le, le constater, euh, moi, pendant ce temps, qui souffre, parce que j'étais malade oui. depuis ma tendre enfance, je souffrais de la drépanocytose. Comme disent les médecins, j'étais euh, porteur AS de la maladie. Donc, je faisais euh, beaucoup d'anémie, j'avais de grosses douleurs au niveau de, des articulations, j'avais les articulations qui enflaient, les paumes de main qui enflaient à chaque fois, et euh, j'étais tout le temps malade, et à chaque fois, je me demandais euh, souvent si je vais terminer la journée à la maison ou à l'hôpital. À cette époque, ma maman était matrone, ce qu'on appelle sage-femme aujourd'hui, mm -hmm. c'était les sages-femmes de l'époque. Et donc, il y a des moments où, quand ma maman était de garde avec mon petit frère, on est les deux derniers de maman, on dormait à l'hôpital, ou parfois je dormais à l'hôpital parce que j'étais hospitalisée. C'est ça, donc tu t'as vécu presque à l'hôpital. Oui. Et il euh, y a des moments aussi où euh, quand j'étais malade, ben elle me gardait à la maison sous perfusion. Elle s'occupait de moi à la maison. Et encore une fois, je suis malade. Et là, maman est maintenant chrétienne et elle me propose de faire venir un ancien de l'Église pour prier pour moi. Je lui dis, d'accord. Donc quand cet ancien arrive, il me dit, avant de prier pour toi, ben, j'aimerais te présenter le Seigneur. C'est Jésus qui guérit, mais j'aimerais t'inviter à recevoir donc Jésus dans ton cœur. Et il m'a présenté l'Évangile, il m'a fait faire la prière de repentance. J'ai prié, j'ai reçu le Seigneur dans mon cœur et tout euh, au nom de Jésus. Amen. Quand j'ouvre mes yeux, je suis toujours sous perfusion. Mm -hmm. Je me dis, bon, peut-être que ça va être comme maman, ça va être progressivement. Mm -hmm. Alors, quelques temps plus tard, ma maman me dit, maintenant que tu es chrétienne, ça serait bien de venir avec moi à l'église. Et donc, je lui dis, d'accord, maman, et tout. Je vais à l'église et là, je découvre un groupe de jeunes, mais vraiment extraordinaire. Des jeunes qui sont enflammés pour Dieu, des jeunes qui passent des heures à l'église à écouter la parole, des jeunes qui sont épanouis. Et je me disais, waouh, mais eux, ils n'ont pas de problème de santé. Mm -hmm. Ils vont bien, eux, apparemment, et toi. J'aimerais bien leur ressembler, quoi. Et là, j'écoute la parole en pleine rayon de jeunes, et je suis vraiment touchée par le message. Et là, je fais une prière au Seigneur. Et j'ai dit à Dieu, « Seigneur, je, commence... je, je, je continue à ressentir ces douleurs dans mon corps, mais je te fais cette prière. » C'était vraiment pour moi une alliance que je faisais avec Dieu, oui. Seigneur. Quand tu vas me délivrer, Seigneur, quand tu vas me délivrer de cette douleur, de cette maladie, moi je vais te servir. Mmh. Et je m'engage vraiment à te servir, à mettre du temps à part pour toi, à mettre des heures à ne pas me fatiguer pour te servir. Et c'est une alliance que j'avais faite avec le Seigneur. Vraiment. Et là, quelques temps plus tard, je commence à ressentir des changements dans mon corps. Je vais de moins en moins à l'hôpital, je mmh. fais de moins en moins l'anémie. Et je continue à recevoir la parole de Dieu. Et là, quand j'arrive dans ce groupe de jeunes aussi, je tombe dans une période où il y a des changements qui se font. Mm -hmm. Le groupe de jeunes était dirigé par un bureau, donc un président, un secrétaire, etc. Et il y avait un ancien de l'église qui avait un regard sur la jeunesse, donc qui était au-dessus du bureau. Et là, quand on procède aux, aux élections pour le nouveau bureau, et euh, on vote le nouveau président, et là, c'est euh, celui qui est devenu mon mari. <laughs> qui devient président de la jeunesse. Mm -hmm. Et donc, l'ancien de l'Église lui pose la question, ben « Mais maintenant, sosten que tu es président, qu'est-ce que tu comptes faire avec la jeunesse ?» Il dit, « "Ben moi, le Seigneur me met à cœur d'évangéliser, mm -hmm. d'aller de ville en ville dans la province et de prêcher l'Évangile et présenter le Seigneur Jésus. » Et là, quand euh, il en parle, on est, on est tout jeunes, on est, on semble des adolescents, en fait. Lui, il avait 17 ans, le plus vieux parmi nous avait 23, 24 ans. Oui, vous étiez vraiment jeunes. On était vraiment jeunes. Mais on a expérimenté des choses extraordinaires. Alors qu'on partait, on prenait des trois mois de jeûne et prière, on préparait en fait nos vacances. Mmh. Et pendant les vacances, en fait, on allait de ville en ville pour prêcher l'Évangile. Wow. Et là, on a expérimenté des guérisons. Mmh. Je me souviens encore, la première fois que j'ai prié pour un aveugle qui a recouvert la vue, j'avais à peine 14 ans. C'est fou. C'est fou. On expérimentait des choses. Mmh. On, on croyait tellement à ce qu'on vivait, à la parole qu'on écoutait, mmh. que pour nous, en fait, il n'y avait rien. Mm. qui pouvait se tenir contre face au nom de Jésus. Le nom de Jésus était au-dessus mm. de la maladie, de l'oppression qu'on pouvait avoir en face de nous. Et là, dans cette atmosphère de guérison, de délivrance, de miracle, le Seigneur a fermé ma foi. Mm -hmm. Il m'a fermé, m'a fermé davantage. Je suis de moins en moins malade, sauf que j'ai encore des, des douleurs dans mon corps. De temps en temps, au lieu d'aller à l'hôpital tous les mois, j'y allais peut-être tous les deux mois. Mmh. Et je me suis rendu compte que dans ces moments, le Seigneur est en train de construire ma foi. Et euh, souvent, je, je, je me remémore ce verset de Jacques 5 qui dit que la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Souvent, lorsqu'on est malade, on est courbé. Il mmh. y a des gens qui sont aujourd'hui sur un lit d'hôpital et qui ne peuvent rien faire. Il y a des mamans qui sont malades aujourd'hui, qui ne peuvent pas, comme c'était le cas de ma maman, s'occuper pleinement de leurs enfants, ouais. de leur maison. Il y a des femmes, des hommes, des jeunes qui ont fait des projets et qui se retrouvent cloués sur un lit d'hôpital et qui ne peuvent plus se projeter. Pour certains d'entre eux, ils ont fait des, des, des projets en famille ou avec des amis. Il y en a qui ont eu des plans pour une entreprise et qui se retrouvent cloués sur le lit euh, de l'hôpital et qui se disent, en fait, euh, mais au final, euh, est-ce que c'était... C'est juste des rêves. Est-ce mm -hmm. que je vais vraiment mourir Et qui se pose tellement des questions. Et là, la, la, la Bible dans ce, ce verset dit la prière de la foi oui. sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et moi, j'ai expérimenté dans ma vie vraiment cette prière de la foi. Mm -hmm. Au fur et à mesure que j'ai reçu la parole de Dieu dans ce groupe de jeunes, en fait, le Seigneur a fait grandir ma foi au point où, en fait. Toutes les fois que je me suis retrouvée face à la maladie, je savais que le Seigneur allait me sortir de là. Mmh. Je savais que le Seigneur allait me guérir. Et bien après, même après notre mariage, même en tant que maman, j'ai été face à la maladie à plusieurs reprises. Je me souviens encore, euh, j'étais étudiante à, à Bordeaux, et un samedi, je préparais un concert en faveur de l'église persécutée. Et là, j'ai des douleurs abdominales, mais vraiment atroces. Je me rends aux urgences, qui n'étaient pas très loin de, de mon lieu d'habitation, de mon appartement, et je vais aux urgences. Et là, le, la dame à l'accueil me dit :« Non, vous pouvez pas venir. C'est votre médecin qui doit vous envoyer aux urgences. » Depuis quand c'est le médecin qui envoie aux urgences Je me dis Seigneur, je repars chez moi. J'ai vraiment mal. Je me dis Je veux prier. Je me recommande au Seigneur. Je veux préparer calmement le concert. Mm -hmm. et je verrai ça plus tard. Je passe le concert, tout se passe bien, le Seigneur glorifie son nom, etc. Quand je rentre chez moi, j'ai encore des douleurs. Le dimanche matin, je ne vais pas au culte. C'était la première fois que je n'allais pas à l'église et j'étais euh, vraiment, au-dedans de moi, j'étais perturbée. J'appelle mon pasteur pour lui dire, je ne peux pas être au culte ce matin, j'ai vraiment mal. Le pasteur me dit, appelle le médecin. Appelle un médecin pour te voir et puis oui. comme ça, on sera fixé. Quand le médecin vient.. Il me dit, écoutez, mademoiselle, en ce moment, il y a beaucoup de gastro. De gastro mm -hmm. Et euh, ça doit être l'épidémie de gastro. Euh, donc, euh, je dis, euh, moi, j'ai déjà souffert de la gastro. Je n'ai jamais eu autant mal. Ah, oui. Je souffrais énormément. Le lundi matin, ça, ça n'allait pas du tout. Je suis repartie aux urgences. J'explique à la dame à l'accueil, ce n'était pas la même. Je lui dis que je suis venue samedi ici. Et on m'a demandé de repartir pour voir mon médecin. Mon médecin m'a dit que j'ai une gastro, mais j'ai tellement mal que je ne peux pas rester chez moi. Et là, on me fait rentrer dans une des pièces, là, à l'hôpital, euh, et l'infirmier commence à m'ausculter et tout. Euh, il me dit, a priori, ça serait au moins une appendicite. Ah hein. oh, oui, rien que ça. Je <laughs> dis, ah, OK, <laughs> entre la gastro et l'appendicite, quand même, <rire> le <rire> fossé, euh, bien, même hein, voilà, pas. quoi. Et là, il me dit, bon, écoute, on va faire une échographie pour voir. On m'envoie faire une échographie. Le monsieur qui me fait passer l'échographie, il me dit, euh, écoutez... Euh, moi, je vois rien. Il y a comme un nuage là dans votre abdomen. Il faudrait qu'on fasse un scanner. Et on va pour le scanner. Et là, il me pose la question de savoir euh, vous avez de la famille ici Je dis mmm, ça sent pas bon du tout. Pas bon signe, hein <laughs> ah non. <Ouais. rire> j'ai dit euh, oui, j'ai de la famille. Et je partageais mon appartement avec une sœur, mm -hmm. avec qui on avait euh, passé plusieurs années ensemble à l'étranger. On s'est retrouvé ensemble à Bordeaux. Et là, je fais appeler cette sœur avec son fiancé. Et le monsieur me dit, je vous pose la question parce que vous avez eu en fait une appendicite et l'appendice a eu le temps d'éclater mmh. et vous avez le pus répandu dans tout l'abdomen. Vous êtes au stade de péritonite et on doit vous opérer en urgence. Oh là là, je vous assure mmh. que ça fait un tour dans ma tête et là je me suis souvenue de cette prière que j'ai faite au Seigneur. J'ai dit au Seigneur que j'ai fait une alliance avec toi. Oui. Et là, dans cet hôpital, Seigneur, je viens te rappeler cette alliance. Sors-moi de là et je te servirai toute ma vie. Amen. Et là, pendant qu'on me sort de cette pièce, on m'amène euh, au bloc opératoire. Et dans le couloir, j'entends le chirurgien qui s'adresse à mes amis, justement, qui étaient arrivés, parce qu'ils étaient à cinq minutes de l'hôpital. Mm -hmm. Et là, il leur dit, euh, franchement, si elle s'en sort, euh, ça sera vraiment de la chance. Et moi, je passe là sur le brancard <laughs> et j'entends ça. Et je me dis, mince, alors il parle de moi. <laughs> ah, t'as besoin d'un grand Dieu. <laughs> Je dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Ce que l'homme n'est pas capable de le faire, toi, tu es capable mmh. de le faire. Et là, je vais sur. Je me souviens plus très bien de combien de temps l'opération a, a, a pris. Mmh. Sauf que quand, lorsque je suis en salle de réveil, j'ai une expérience vraiment extraordinaire. Je suis à moitié réveillée et là, j'ai une vision. Alors que je suis à, à moitié réveillée ou à moitié endormie, je ne oui. sais même pas comment te dire. <laughs> Et là, j'ai une vision en train de, je suis en train de marcher, mais tellement épuisée, épuisée que j'ai à peine euh, du mal à lever euh, un mais pied tu... après l'autre, Et je vois des personnes qui me poursuivent, et tout. Et je me, regarde, je me retourne, je me dis, mince, mais ils vont me rattraper. À un moment donné, je me retourne, je regarde devant moi, et là, il y a une échelle devant moi. Mmh. Et je monte cette échelle, je monte cette échelle, et là, en face de moi, je vois un grand soleil, un grand soleil. Et à l'intérieur de ce soleil, je vois un visage qui me sourit. Mmh. Et je me souviens de ce passage qui dit que Jésus est le soleil de justice. Mmh. Et je me suis sentie tellement rassurée, j'ai ressenti de la force mmh. en moi, et je me retourne et je demande à ceux qui sont en train de me poursuivre de courir après moi et je leur dis maintenant vous pouvez arriver et là je me suis réveillée et là je me rends compte en fait que le seigneur m'a sorti des liens de la mort amen et je dis seigneur je te rappelle cette alliance que j'ai faite avec toi mmh. Tu me sors de là et je vois que tu m'as sorti des liens de la mort. Et je te servirai toute ma vie. Mmh. Je te servirai toute ma vie. Amen. amen. Et tu as expérimenté tout au long de ta vie hein, au niveau de la, de la guérison, parce que ce n'était pas au niveau de la maladie. L'expérimentation, ouais. c'est vraiment au niveau de la guérison. La guérison divine. Oui. Tu me disais même que euh, tu as eu plusieurs traitements médicaux, mais tu n'as jamais eu besoin d'aller jusqu'au bout des traitements, Effectivement, parce oui. que Dieu te relevait avant. À chaque fois, le Seigneur s'est manifesté. Et euh, quand j'ai... Euh, expérimenté À ces différents moments-là, des, des soucis de santé. Mm -hmm. J'ai eu des soucis de santé. À chaque fois, j'ai expérimenté une guérison exceptionnelle. J'ai eu, par exemple, la névralgie cérébrale. J'ai eu des douleurs atroces à un moment donné à, à la tête, au point où je ne supportais pas du tout la lumière. Mm -hmm. Et euh, quand je vois le médecin, il me dit euh, Non, vous avez euh, des problèmes de névralgie cérébrale et tout ça, il faudrait qu'on vous me mette sous traitement, etc. Et quand je repars vers le neurologue, il m'a reçu une fois, la deuxième fois il me dit, bah, écoutez, moi je ne moi, sais pas quoi faire de vous, hein, et tout. il faut repartir vers votre médecin parce que euh, je ne sais pas quoi faire de vous. Quand je suis sortie de son bureau, mm -hmm. j'ai dit au oh, Seigneur, moi j'arrête ce traitement. Oui. C'est terminé, je sais que tu es capable de le faire. Lorsque j'ai déclaré cette parole, j'ai arrêté d'avoir mal à la tête. Mm -hmm. C'était terminé. C'était fini. C'était plus jamais eu mal après enfin, Je n'ai plus, plus jamais eu Non, je n'ai plus jamais eu ce genre de douleur. Une autre fois, c'était euh, des douleurs atroces d'estomac. Où, euh, pendant... Et là, ça a mis du temps, ça a vraiment mis du temps. Et encore une fois, le médecin m'a dit, euh, vous savez, vous êtes parti pour avoir un traitement médical pendant des années parce que votre, votre estomac a vraiment été abîmé. Ils avaient découvert euh, une euh, bactérie qu'on appelle Helicobacter Pylori. Donc, elle vous ronge l'estomac. Mmh. Les elle... mange voilà. cher, hein. Exactement. Mmh. Elle vous détruit la, para... la paroi qui protège votre estomac. Et donc, vous devenez sensible. Lorsque vous mangez, par exemple, épicé, vous êtes un sujet sensible. Mmh. Et ça... Je ne savais pas que je l'avais. J'avais eu une fibroscopie huit ans avant. Les médecins ne m'ont pas transmis le, 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 diagnostic. le diagnostic. Et quand je revois la, le gastrologue huit ans plus tard, alors elle me demande euh, Dites-moi, il euh, y a huit ans, qu'est-ce qu'on vous a donné comme euh, traitement par rapport à la bactérie Et Je lui ai fait euh, Pardon. <laughs> J'avais cette, cette bactérie il y a huit ans. Elle me dit euh, Si, si. En fait, ça fait huit ans que tu l'avais. Voilà, <laughs> finalement. Et peut-être même euh, plus, puisqu'ils oui. l'ont découvert huit ans mmh. auparavant. Donc, je, je ne sais même pas. Et uh, encore une fois, j'ai vu vraiment la main du Seigneur. Et là, quand je rentre dans ce traitement, le médecin me dit, euh, comme je disais, euh, voilà, vous allez rester sous traitement pendant des années. Et j'ai déclaré mmh. la parole de Dieu. J'ai dit au Seigneur par tes meurtrissures, je suis guéri et je veux voir ta gloire. Mmh. Et je n'ai pas terminé ce traitement. Je n'ai pas terminé, j'ai vidé mon placard qui avait euh, tellement de médicaments. Mmh. J'ai dit, Seigneur, je pose cet acte et je déclare que je suis guérie au nom mmh. de Jésus. Et les douleurs ont commencé à s'estomper, jusqu'à ce que j'ai plus eu besoin d'avoir rendez-vous, de rencontrer mon médecin. Gloire à Dieu. Toi, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui nous écoute, qui souffre de maladie, qui n'arrive pas à obtenir sa percée qui est... Qu'est-ce qui manque en fait Qu'est-ce qu'il faut pour obtenir cette percée dans la guérison Comme j'aime souvent le dire, lorsque je prie pour quelqu'un qui est malade, je lui dis souvent, j'ai assez de foi pour toi. J'ai assez de foi parce que j'ai tellement expérimenté la guérison divine que je, je sais qu'il n'y a aucune maladie qui soit au-dessus du nom de Jésus. Et lorsque la Bible déclare que par la maîtriseur de Christ à la croix, nous avons été guéris, nous avons réellement été guéris. Alors j'encourage quelqu'un qui est malade, euh, à l'instant où je parle, quelle que soit la maladie qui vous frappe, qui vous crible, c'est important que vous puissiez prendre et déclarer les promesses que le Seigneur a dites à votre sujet, à propos de la maladie. La Bible déclare que Jésus est venu mourir à la croix pour nous. Il a porté nos péchés. Et par ces meurtres spires, nous sommes guéris. Nous avons été guéris. J'aime cette version qui dit mm « -hmm. nous avons été guéris ». C'est-à-dire que ça a déjà été fait. C'est comme un match lorsque vous n'avez pas été au stade, vous le regardez en différé. Et c'est pareil avec la guérison. Le Seigneur l'accomplit à la croix et on est en train de vivre un match en différé. C'est pourquoi on peut peut-être parfois expérimenter, euh, comme celui qui était justement en plein stade, les mêmes émotions, l'euphorie ou parfois la colère quand notre équipe n'a pas joué comme on oui. attendait. <laughs> Mais le match est déjà terminé. Est le match est joué. C'est pareil par rapport au, à notre guérison divine. Le match est déjà gagné. Jésus a déjà accompli votre guérison à la croix. Alors, je viens vraiment déclarer la vie de Dieu là où vous êtes. Je viens vraiment déclarer la guérison divine là où vous êtes. Et je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit de Dieu vous visite. Et je viens déclarer que le cancer n'a aucun pouvoir sur votre corps. Je déclare que la drépanocytose n'a aucun pouvoir. La sclérose en plaques n'a aucun pouvoir. La dépression. Libère vos pensées dans le nom de Jésus de Nazareth. Et je viens au nom de Jésus déclarer le sang de Jésus. Et je prie aussi pour toutes ces personnes en qui le Seigneur a investi un don de guérison afin qu'ils puissent se manifester, que vous soyez des sources de guérison, des sources de délivrance, un instrument de guérison pour plusieurs autour de vous. Que la grâce du Saint-Esprit soit votre partage et que vous puissiez expérimenter cette parole de la Bible qui déclare que par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Que ton nom soit béni, Père éternel. Que ton nom soit glorifié pour les miracles qui vont suivre, Seigneur, ces temps. Merci pour la foi que tu réveilles dans les cœurs de plusieurs, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur Nina. Merci d'avoir partagé ton, ton histoire et d'avoir fortifié des hommes, des femmes derrière l'écran qui ont pu expérimenter à leur tour Amen. cet élan de foi qui produit le miraculeux. Merci Amen. beaucoup. Que Dieu soit béni. Merci.